Chers parents, chers élèves, chers collègues, j'espère que mon message vous trouvera tous en bonne santé et en sécurité. Nous démarrons, et je le souhaite de tout mon cœur, la dernière phase de cette horrible période. Chacun de nous est fatigué par ce confinement, usé par le stress professionnel, miné par les soucis personnels, et pour certains, touché directement par la maladie ou par la perte d'un être cher. Les enfants, les adultes, tout le monde a souffert ces 5 dernières semaines et a envie de passer à autre chose, de reprendre le cours de sa vie et de tenter de réparer ce que la crise a cassé. Les enfants ont besoin de revoir leurs copains, leur école, leurs enseignants. Nous, les personnels du lycée, nous avons besoin de revoir nos élèves autrement que derrière un écran. Vous, les parents, vous avez besoin de récupérer vos journées pour traiter des affaires des adultes. Depuis le 11 mars, vous les parents, vous menez plusieurs batailles sur plusieurs fronts et cela est vraiment très difficile parfois de conserver ses nerfs. C'est assez impressionnant car vous êtes souvent non francophones et malgré tout, chaque jour, vous essayez de porter le message de l'école française auprès de vos enfants, parfois si petits. Vous doutez. Vous avez peur de mal faire. Mais nous, l'école, nous vous disons que ce que vous faites est bien, est utile, est profitable à votre enfant, car cela le maintient au contact de son école, le lycée français international Molière. Votre association, la PAELM, nous remonte vos difficultés, vos soucis, vos colères, vos frustrations, vos demandes, et aussi, et je vous en remercie, vos mots de soutien. Chaque semaine, nous tenons une réunion pour faire le bilan de la semaine écoulée et apporter des améliorations à la suivante. Aucun sujet n'est évité, aucun sujet n'est écarté. Parfois, le ton monte, mais les enjeux sont tellement importants. Nous parlons des enfants du Molière, de leur famille, ses parents, nos clients, nos partenaires, notre communauté. Il n'y a pas entre nous de langue de bois. Et la PAELM sait être très ferme sur les sujets centraux de notre petit monde. La pédagogie, la gestion de l'école, le pilotage et les prospectives. Ce qui nous rassemble, lycée, association, c'est la conviction profonde, sincère, que notre école est une belle école et que chacun, à sa place, en est responsable. Nous sommes responsables de son image, de sa qualité, de sa sérénité et aussi de son développement. Vous êtes très nombreux, en dehors de la PAELM, à aimer votre école et à faire d'énormes sacrifices pour que vos enfants y grandissent. Vous l'avez choisi il y a parfois très longtemps, parmi d'autres qui pouvaient lui être comparés, et vous y avez investi durablement pour ce que vous avez de plus cher. Vous y êtes venu parfois il y a peu, et vous partagez déjà cette même certitude. Vous y êtes venu récemment, et en ce moment, vous doutez. Cette confiance nous honore, nous oblige. Vos doutes nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes pour les lever. Nous avons bien entendu votre souhait d'amélioration de la continuité pédagogique, dans les classes du primaire comme dans les classes du secondaire. La PAELM nous a fait part de votre besoin de clarté, de plus de lisibilité, de plus de visioconférence, de plus d'obligations horaires pour les grands adolescents. Nous avons travaillé à cette évolution et le dispositif n'a cessé de se modifier au gré de nos réunions, au gré des réunions entre votre association et la direction. Il reste encore beaucoup à faire, comme en témoignent les échanges que peuvent avoir les personnels de vie scolaire quand ils contactent les familles par téléphone. Nos appels semblent répondre à votre besoin d'écoute. La qualité de notre écoute est aussi pour notre équipe une manière de vous manifester notre respect pour ce que vous vivez dans ces horribles semaines. Nous avons commencé par les enfants à besoins particuliers, par les enfants en danger de décrochage, par les enfants fragiles scolairement, et nous continuons maintenant avec tous les autres. Ce choix de prendre en considération prioritairement les plus fragiles
est le même que nous faisons au plan financier. Tous ceux qui, individuellement, m'ont contacté pour me faire part de leurs difficultés ont reçu une réponse personnalisée. Nous avons travaillé, eux et moi, à trouver des solutions en lien avec la PAELM, en lien avec le consulat pour les familles françaises, en lien avec le réseau MLF Espagne pour les familles espagnoles et aussi les Français non boursiers. Dans le cadre de ce que sont les budgets des établissements du réseau Espagne, nous cherchons des solutions pour chacun, avec un objectif unique, basique, apporter une solution ou au moins un petit peu d'oxygène à ceux qui souffrent le plus. Permettre l'étalement de la dernière facture, accepter toutes les modifications de régime, monter un dossier de demande de fonds social, alerter les services de l'ambassade, sont autant de gestes utiles car ils sont pratiques et à effet rapide. Nous n'attendons pas que d'autres décident pour nous, que d'autres réfléchissent pour nous. Nous agissons ensemble, le lycée, les familles, la PAELM, le réseau MLF. C'est notre manière de faire vivre la solidarité au sein de notre réseau MLF, en prenant en considération les personnes, chaque personne, et en nous efforçant d'être équitables, car nous n'avons pas les moyens d'une mesure de justice globale. Le siège parisien de la MLF, lui, travaille avec les politiques françaises, les autres opérateurs de l'éducation dans le monde, comme l'AEFE, et les grandes fédérations de parents d'élèves, comme la FAPE, à laquelle la PAELM appartient et dont nous avons dans nos murs le vice-président. Je l'ai dit depuis le premier jour, et je le redis à nouveau dans cette communication, nous ne pouvons pas tout, nous pouvons sans doute trop peu, mais chacun de nos efforts est dédié aux familles. Il n'en est pas autrement dans les 11 établissements du réseau MLF Espagne, qui se réunit chaque semaine, souvent plusieurs fois. C'est aussi pour cette proximité, pour ce projet commun, pour cette manière de lire la vie, que vous avez choisi notre réseau, ces établissements à taille humaine, ces personnels qui prennent soin des enfants, de chaque enfant, dans le respect de sa personne et de ses besoins fondamentaux. Ce choix de proximité, de solidarité envers les plus malheureux, sont contestés par certains d'entre vous. Peut-être parce que je les explique mal, peut-être parce qu'ils sont trop difficiles à accepter. Je continuerai à faire autant de pédagogie que possible, par des communications directes, par pronotes, par des vidéos, en répondant à vos courriels et surtout par le biais de votre association. La PAELM aussi est contestée en ce moment. Pourtant, elle porte votre voix, toutes vos voix, sans faiblir, y compris quand ces voix s'expriment par le biais d'une pétition signée par des non-adhérents. Les membres de l'association sont mes interlocuteurs, naturels. C'est leur fonction, c'est la mission que vous leur avez confiée par vos votes. Grâce à eux, j'ai aussi accès à toutes les autres familles, quel que soit l'état d'esprit, quelle que soit leur position. Leur avis est entendu, écouté et vient s'ajouter à la réflexion commune, au travail commun, à l'objectif commun, celui de conserver le lycée français international Molière au rang qu'il occupe et pour lequel nous avons tous tant travaillé, le rang d'un grand lycée français. Je vous souhaite, je nous souhaite, une bonne santé à tous. Et comme je l'ai fait, depuis le premier jour, je reste mobilisée à 100% pour le bien de vos enfants, pour le bien de notre école. À bientôt et surtout, prenez soin.